Bonsoir à tous, voilà, je voulais vous dire que je suis confiné comme tout le monde et c'est une bonne chose. Ça durera le temps que ça dure, mais le plus important c'est voilà, de se protéger, de protéger les autres et de rester bien tranquillement à la maison, de s'occuper, de regarder des films, de jouer, d'avoir des occupations qui permettront aux hôpitaux, à tous ces gens qui sont là pour aider les gens qui sont malades. Il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce que ce qu'ils font, c'est magnifique. Ils sont courageux, ils sont énormes. Voilà, je voudrais les féliciter à eux parce que c'est génial ce qu'ils font. Donc si nous, on peut les aider en restant à la maison, je trouve ça énorme. Et tous ensemble, on y arrivera. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite à tous voilà, de rester chez vous et de bien le vivre. Je vous embrasse. Au revoir. Bonjour à tous, Claudio Cassapa. Je voudrais simplement remercier tout le corps médical pour ce magnifique travail qu'ils sont en train de le faire et dire aux autres, le plus important maintenant, c'est de rester chez vous. S'il vous plaît, restez chez vous. Je m'adresse à la population et il ne faut pas sortir. Voilà. Maintenant, je m'adresse à ceux qui ont pas bien compris. On est en guerre. On t'a dit, tu sors pas. J'en ai vu, il se faisait bronzer sur la plage. Non, c'est la guerre. On t'a pas dit, c'est les grandes vacances. On t'a dit, c'est la guerre. Alors, tu restes à la maison. Tu restes à la maison. Tu sais, on va être obligé de après, et vous allez dire, ouais, mais c'est la guerre. Alors, on reste confiné à la maison. Allez, et soyez heureux, à la maison.